Although it is the most commonly diagnosed degenerative neurological disease after Alzheimer's, Parkinson's disease remains unknown. It is often associated only with tremors, but it is much more complex, especially because it manifests differently from one affected person to another. And it should also be known that its outcome is not fatal. Problems with the movements are only the tip of the iceberg. Non-motor and psychological problems are also big factors in the lives of people living with the disease. You will notice communication problems. Enunciation will be less accurate, with shortened syllables. The voice of the person affected may become hoarse, weak, trembling, or monotone. Their speech will also be erratic, slower or sped up, punctuated by hesitations, repetitions, and silences. Sleep disorders are frequent. Your loved one may have restless leg syndrome, which results in an irrepressible need to move, or insomnia, numbness, pain, and agitated dreams. These symptoms, experienced repeatedly, result in fatigue and drowsiness during the day. Parkinson's disease may provoke bodily dysfunctions, such as constipation, bladder problems, or orthostatic hypotension, which is manifested by dizziness when moving from one sitting to standing up. Lastly, some symptoms are mixed because they are both motor and non-motor, like pain, drooling, choking, difficulty swallowing, called dysphagia, and micrography, which is manifested by increasingly small writing. The motor symptoms are better known and are referred to by the acronym TRAP: tremors, rigidity, akinesia and bradykinesia, and postural instability. Trembling while at rest is the first symptom that appears in 70% of the people. It generally begins with a manifestation on just one side of the body. Rigidity generally manifests along spine and in the joints. You will notice that posture is more stooped and the arms swing less. Akinesia is defined by a rarity or absence of movement, bradykinesia by slower movements. You will see, for example, that movement of the hands and legs is slower and more limited. The face will become less expressive, more fixed. Writing will be slower and the letters smaller. In general, spontaneous or natural movements will be less frequent and daily activities like getting dressed and taking a shower take longer. Postural instability is one of the most bothersome and dangerous symptoms of the disease. It appears later, but you must be very attentive to your loved one's balance to prevent falls. Alors, mesdames, j'aimerais savoir un peu plus justement, comme il y a plusieurs visages à la maladie de Parkinson, quels sont les symptômes que votre proche présente? Il y a des tremblements dans la main droite et dans la jambe droite aussi. Et on dirait qu'il développe des, comme je lui dis souvent, de redresser ses genoux. On dirait qu'il faut plier. Fait que ça fait comme une drôle de posture. Il y a beaucoup de choses qu'il oublie, des choses du passé qu'il va raconter, mais différemment de comment c'était. C'est comme si il y a de l'imagination. Puis moi, dans son cas, en tout cas, je trouve que c'est pire le cognitif à gérer, autrement dit, là, à pouvoir m'habituer à ça. Alors moi, il fait surtout du freezing. Mm-hmm. Alors, du blocage. Voilà, il bloque. Et puis moi, ce qui me gêne surtout, c'est la voix. La voix est partie. Le plus difficile, il y a des choses qu'on avait remarquées même avant de savoir qu'il avait le Parkinson, comme le manque d'odorat. Puis on s'était rendu compte qu'il marchait plus lentement. Je trouve ça difficile, de la question de la mère. Mais il y a le côté cognitif aussi, qui lui-même s'en rend compte, point de vue organisation de la pensée. Lui-même dit qu'il raconte une histoire, puis il dit « je manque le punch ». C'est beaucoup la rigidité, la lenteur, la grande lenteur, le fait qu'il ait besoin d'aide aussi, souvent pour s'habiller ou tout ça, ou qu'il ait le faciès, hein, qui est différent. Mais dès le début, je pense, de la maladie, ça s'installe. Puis à un moment donné, je dis « mais ton sourire, il est disparu ». Puis là, il dit « mais je souriais, mais moi, je le voyais pas ». Et ça aussi, ça me fait beaucoup de peine. Je trouve que ça nuit beaucoup à la communication. Il a toujours l'air triste. Les idées s'organisent peut-être plus lentement, et dans un groupe, c'est encore pire. Alors, des fois, on est juste à quatre, et puis je dis, « Mais t'as pas parlé. » Mais il dit, « J'arrive pas. Les gens me laissent pas le temps, ou tu sais. » Alors là, il faut que j'en parle de plus en plus aux amis, à la famille, pour lui laisser le temps de s'exprimer.
Vous essayez de trouver des trucs, donc lui laisser la place, lui donner le temps de parler. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous avez développés avec le temps? Dans le livre d'info, le guide d'info Parkinson, il parle beaucoup du fait de faire des exercices faciaux. Donc, des fois, en voiture, on essaie de le tourner un petit peu en farce un peu, ou en jeu, c'est ça. Je peux juste ajouter qu'au niveau du sommeil, ce qui a beaucoup aidé, c'est depuis qu'il a sa routine de sieste l'après-midi. Si on va chez des amis, ben on va adapter l'heure pour qu'il y ait un moment pour sa sieste. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de ce phénomène d'endormissement qu'il y avait partout. Et vous vous adaptez finalement au fur et à mesure que la maladie change, évolue. Ça vous demande toute une capacité d'adaptation à tous les deux. Comment vous voyez ça, l'évolution de la maladie? Je prends les choses comme une à la fois quand elles arrivent, parce que je peux penser qu'il va arriver telle chose, elle n'arrive pas, mais il y a autre chose qui arrive. Alors, c'est difficile de dire, de planifier d'avance. Alors, je pense qu'il faut être capable de s'adapter, dans le fond, à ces différentes journées-là, où dans le fond, il y a des journées où la fatigue va être beaucoup plus présente. Le lendemain, tout d'un coup, hop, oh, OK, bon, ça va. Puis c'est ça, la personne a plein d'énergie. To better cope with the symptoms, it is critical to adopt a healthy lifestyle by making the right nutritional choices and moving often. To keep your loved ones stable, it is better to take medication at regular times. You can keep a symptom journal with your loved one. Note all the changes you observe. This information will be valuable for the attending physician and team, among other things to identify the side effects of medication. Never stop medication without informing the doctor, even if there are unpleasant side effects, because treating symptoms of the disease must be considered. You can consult specialists for balance, voice, swallowing, and nutrition problems. These experts are there to help you. Do not deny yourself this assistance. Your loved one's medical appointments are golden opportunities to ask questions. Write them down in advance and record the answers. Inform yourself. Avoid the stress of not knowing what is going on. Inform yourself as well of the resources available so you know your options. Information is the best strategy for you throughout the journey of supporting your loved one. You will know how the disease generally progresses and can better prepare yourself. Being well informed is equipping yourself to make your life easier. Remember also that you are learning. When the health of your loved one changes, your situation changes as well. Give yourself the time and permission to adjust to it.